Nous avons tendance à mettre ces questions de côté en voyant souvent le verre à moitié vide, en se disant que la technologie nous apporte surtout des problèmes d'attention ou ce genre de choses. Mais s'il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est que la technologie peut nous aider à être productifs et ça de manière durable. Ensemble, nous allons donc voir ici comment la technologie peut nous rendre productifs en voyant le verre à moitié plein. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui, nous allons ensemble tirer parti des nouvelles technologies. La première chose à faire, c'est un constat, et on va le faire ici en trois points. La première chose à savoir, c'est qu'il est vrai que les réseaux sociaux aspirent notre temps, et avec la multiplication de ces derniers, j'ai pas l'impression que c'est parti pour s'améliorer. Qui va d'ailleurs avec le deuxième point, qui est donc le fait que notre attention est de plus en plus prisée par les différents services que l'on utilise, que ce soit des réseaux sociaux ou encore d'autres services de vidéo à la demande par exemple, notre attention, c'est vraiment le cœur de leur business. Et puis, un troisième point qui est assez différent des deux premiers, c'est aussi que, avec la technologie, on a l'impression de ne jamais avoir assez. Et ça, c'est problématique. La conséquence de tout ça, c'est que notre approche liée aux nouvelles technologies, elle reste quand même assez négative, et ça, c'est un point qui est quand même à mettre en avant. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, je vous invite à lire deux livres. Le premier, c'est Digital Minimalism de Cal Newport, et le deuxième, c'est Deep Work, qui est aussi excellent. De toute façon, je vous mets les liens dont vous avez besoin dans la description de la vidéo. Maintenant, attention, il existe des solutions, et je vais vous les apporter maintenant. Les solutions, pour moi, il y en a trois. Il y en a trois parmi tant d'autres, évidemment, et je vais commencer avec le premier point, c'est les applications. Le danger des applications, par contre, c'est que l'on ait tendance à vouloir toujours essayer la dernière, celle qui est tendance ou celle qui est en top dans les stores. Et pourtant, pour être productif, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le remède à cela, c'est que je vous invite à essayer deux types de services. Le premier service que je vous recommande, de mon point de vue, c'est le calendrier avec Google Agenda ou encore Apple Calendar. Les deux services sont équivalents. En tout cas, de mon côté, ça permet vraiment de m'organiser correctement, de voir heure par heure ce que je peux faire en fonction de telles ou telles activités, que ce soit des choses plus professionnelles ou plus personnelles, il y a différentes couleurs, etc. Bref, moi, c'est vraiment la manière la plus simple pour m'organiser, du moins celle que je préfère. Après, il faut savoir aussi qu'il existe le To-Do Management avec Things 3 ou encore Microsoft To-Do. Ce sont les deux services que j'ai essayé pour ma part. L'un coûte cher, hein. Things coûte 10€ de mémoire, Microsoft To-Do est par contre gratuit. Ces applications-là sont parfaites si vous voulez avoir une vision ludique de vos avancées sur des projets, sur des tâches, etc. En tout cas, pour ma part, j'ai pu essayer ces services pendant quelques semaines et je vais pas vous mentir que moi, personnellement, c'est quand même le calendrier qui prime, c'est là où vraiment j'arrive à m'organiser avec Things. Moi, je trouve que malheureusement, ça me rajoute plus une contrainte qu'autre chose, alors qu'avec le calendrier, vraiment, je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Après, si vous voulez avoir aussi un lieu pour centraliser tout ça, vous pouvez utiliser Notion. Alors là, je vais pas du tout rentrer dans les détails. Il y a plein de vidéos excellentes à ce sujet que je vous invite à aller regarder. Petit bonus supplémentaire que j'ajoute par ailleurs, c'est évidemment le danger des notifications. Pour cela, je vous invite sur Android à utiliser le mode ne pas déranger. À partir du moment où vous travaillez, vous allez voir que c'est très efficace si vous le personnalisez correctement. Et puis sur iOS, vous avez les modes concentration qui, pour le coup, sont extrêmement performants. Et même, sachez aussi que si vous utilisez un PC Windows, vous avez également un mode ne pas déranger qui est disponible, que l'on a tendance à ne pas utiliser. Maintenant, le deuxième point qui fait que, pour moi, avec la technologie, on peut être productif, c'est évidemment d'avoir un setup propre et organisé. Cela passe par un setup avec des produits que l'on trouve agréables visuellement et en termes d'ergonomie. C'est des produits que, en conséquence, on va avoir envie d'utiliser. Il faut aussi faire le choix de produits utiles et ergonomiques en même temps. L'utile, c'est ce que vous utilisez tous les jours, alors que l'envie, c'est passager. D'ailleurs, avec tout ça, ne mettez pas trop d'accessoires superflus. Gardez vraiment un espace de travail vraiment où il y a de l'espace. Ça permet vraiment de respirer et de se concentrer sur l'essentiel. Et puis, ça, c'est peut-être personnellement un truc que je ne fais pas, mais gardez sous la main, au moins sur votre bureau, un accessoire qui vous inspire. Ça peut être une photo, ça peut être un footballeur, ça peut être même un livre, enfin peu importe, gardez quelque chose qui vous inspire et qui fait que vous allez avoir envie
de travailler sur ce bureau. Maintenant, le troisième point que j'ai envie d'aborder ici, c'est l'importance de la lumière. La lumière au sein d'un setup, au sein d'un espace de travail, avec les nouvelles technologies, il est vrai que c'est extrêmement important. La lumière, c'est ce qui va donner vie à votre espace de travail, c'est ce qui va donner de la personnalité, de l'identité, c'est ce qui fait qu'on va passer d'un setup à votre setup. De plus, il faut le savoir qu'il n'y a pas besoin d'un gros budget pour créer un espace de travail productif avec des belles lumières. Vous avez peut-être 40, 50 euros, ça suffira amplement. Vous achetez une petite lampe, vous achetez un bandeau LED et déjà, vous allez pouvoir faire de belles choses en termes de lumière. Et puis, par la suite, vous pouvez toujours ajouter des petites choses par-ci, par-là. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir vraiment que la lumière au sein d'un setup, c'est très important et c'est ce qui fera que vous allez sur le long terme travailler correctement et être productif au sein de votre setup et donc avec les nouvelles technologies. Pour ne pas faire trop long, j'ai volontairement pas détaillé chaque point. C'est logique parce que sinon la vidéo ferait 35 minutes. Donc si jamais vous avez des interrogations, des questionnements autour des sujets que j'ai abordés, n'hésitez pas. Si vous avez en plus des conseils à donner, peut-être, ça peut toujours être intéressant. Donc les commentaires sont faits pour ça. Si ce genre de vidéo, cela vous intéresse, le like et l'abonnement permettent de me le faire savoir. Et quant à moi, je vous retrouve donc très bientôt, comme d'habitude, chaque semaine, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, salut !